Tukingojelea kuwasili kwake rais wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye amesindikizwa na mke wake mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Na watu watafahamu ya kwamba rais anawasili hapa mjini Goma ni kisha tu kipindi ambacho kiliweza kuweko mahali ambapo tuliweza kuishi mlipuko wa volcano. Bwana Jesse, unarudia tena mambo Voilà, mesdames et messieurs, tout à l'heure, bonsoir et bienvenue à cette retransmission en direct qui part depuis la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Nous sommes donc justement ici à l'aéroport de Goma où depuis le matin, c'est l'air fervent ici. La population, les Gomatraciens sont dans le rue de Goma. Ils sont entrés justement d'attendre le président de la République et la distinguée première dame. La République, comme il a annoncé lors de la dernière prise de parole, il avait dit, il attendait, il était impatient dès que l'aéroport de Goma serait ouvert, il sera le premier avec son épouse pour venir consoler ces Gomatraciens avec une éruption volcanique du 22 mai dernier. Cette éruption volcanique qui a causé la mort de plus ou moins 32 personnes selon les bilans officiels et de milliers de déplacés qui ont trouvé refuge dans les villes voisines de la ville de Goma. Avec moi ce soir, j'aurai Laurent Nyangé qui est de la RTNC Goma ici, ainsi que Michel Moutabécha de la RTNC Bib ici pour le Swahili, et Jaspar Kusema sera de notre également justement pour vous rendre en direct donc l'ambiance que nous vivons ici. Je vous le dis ici, c'est depuis le matin, les gens sont dans la rue pour accueillir Félix Tshisekedi, le président de la République, ainsi que la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui vont devoir honorer leur parole. Ils avaient promis de venir à Goma pour consoler la population de Goma avec l'éruption volcanique. Laurent Nyangé, bonsoir, et quelle est l'ambiance ici à l'aéroport de Goma? Bonsoir Jesse, bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, en direct de la capitale touristique de la République démocratique du Congo, Goma. Goma qui a connu il y a peu de temps l'éruption du volcan Nyiragongo. Et c'est vrai, le président de la République, comme venait de l'évoquer Jessica Basile, avait promis, et ça sera plus qu'une réalité ce week-end, parce que toutes les batteries, le décor est bien planté pour réserver un accueil digne au chef de l'État qui va atterrir d'ici peu. Il est déjà passé de quelques 10 ou 15 minutes comme ça. Et Jessie, ça n'a pas été facile. Hein. La population de Goma attendait impatiemment l'arrivée du chef de l'État dans cette ville, puisque il arrive à une période particulière. Vous savez qu'il y a deux phases ou deux étapes qui ont marqué la vie de la population du Nord Kivu. Premièrement, je voudrais bien parler de l'état de siège décrété un mois déjà. Et en deuxième position, il y a l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021 qui a perturbé totalement la vie de la population dans ce coin. Parmi les déplacés, on a retrouvé des sinistrés à Sake, comme vous l'avez évoqué, à une vingtaine de kilomètres de Goma. D'autres sont partis même à Bukavu, cherchant juste de refuge. D'autres sont partis nord à Butembo, à Rutshuru, partout là, et d'autres ont pu traverser la frontière pour atteindre Kigali, et fouillant l'éruption du volcan Nyiragongo. Ça n'a pas été facile, mais nous devons remercier l'éternel Dieu, parce que c'est grâce à lui que la vie semble reprendre déjà dans la ville de Goma, où dans différentes rues, la population est en attente, hein, en alerte vraiment, en train de réserver, d'attendre chaleureusement l'arrivée d'ici peu, l'atterrissage à Goma du chef de l'État. Oui, et c'est vraiment quelque chose de grand pour la population. C'est une consolation lorsque notre papa national arrive. Ça ne peut que réjouir tous les habitants du Nord Kivu, et en particulier ceux-là de Goma. Voilà, Jésus.
Alors, il faudrait aussi dire que, surtout que c'est lui-même qui l'a annoncé cet après-midi, hein, lors de son point de presse. Il a annoncé qu'il venait à Goma. C'était un peu d'hésitation ici. Finalement, lui-même l'a annoncé. Et il est exactement 18h passé de 13 minutes ici à Goma. Oui. Et l'aéroport est pratiquement en effervescence. La ville également. Michel Moutabécha, nous sommes à l'aéroport dans quelques minutes. Ce n'est plus que question de minutes. Le président de la République et la distinguée première dame vont devoir fouler la terre de Goma. Et quand on a Jesse Kabasele à Pakoni Airport, ça pas mentionné Goma, nous sommes rassemblés. Wapo wako wengi wamekuja kungojea rais wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye amekuwa akisindikiza na mke wake mama Denise Nyakeru, na hawa wamengojelewa hapa. Ni kwamba mtakumbuka kwamba tarehe 22 Mei mji wa Goma uliweza mlipuko wa volkano Nyiragongo uliweza kulipuka na ukasababisha maafa mengi. Watu wakakimbia mji wa Goma, wamoja wakimbia upande wa Seke, wengine katika mtaa wa Ruchuru, Kibumba huko Nyiragongo. Na rais wa taifa Felix Antoine Tshisekedi akatoa ahadi kwamba yeye kibinafsi atafika katika mji wa Goma ili kutoa pole kwa wakazi wa mji wa Goma. Na hivi sasa amekuwa akikamilisha ahadi ambayo aliweza kutoa kwa wingi wa raia katika mji wa Goma na katika mtaa na mali pengine pepo. Ni kwamba kwa siku ya leo wanamgojea rais ili akuje atoe kuzungumza na wakazi vile vile na kutoa pole kwa wengi wakazi. Na wengi wanasema wanamngojelea kwa hamu, kwani mahitaji ni mengi na yeye amekuja ili kuweza kuzungumza na wengi wa raia bwana Kabasele. Na ni kwamba kwenye airport tayari viongozi mbalimbali wamekusha kuwasili ili kutolea mapokezi mazuri kwake rais wa taifa. Na hapa mambo ni samamba, na tunaamini kwamba punde hivi karibuni rais ataweza kuwasili na atapokelewa kwa shangwe na wengi wakazi hapa mjini Goma ambao wanamchunga kwa hamu kabisa tangu asubuhi. Alors pendant tout ce temps que nous allons passer en direct ici à l'aéroport de Goma, c'est une petite question de quelques heures, hein, le président de la République et la distinguée première dame vont arriver. Juste Kousema, bonsoir. Deux semaines après, finalement, la vie reprend effectivement ici à Goma. Effectivement, je suis Kabasele. Nous sommes bel et bien ici à l'aéroport international de Ndjili. Le soleil s'est couché ici. Dire, hein? Mais oui, nous sommes ici à l'aéroport international de Goma, effectivement. Le soleil s'est couché, mais seul le volcan Nyiragongo au fond de l'écran surplombe cette ville. Et c'est justement au pied de ces volcans de Nyiragongo que toutes les autorités nationales et provinciales sont réunies pour accueillir le premier citoyen, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient ici accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru. Le couple présidentiel vient pour une visite de compassion à l'endroit de la population des Goma. Quelques trois semaines après l'éruption volcanique, la ville a repris toutes les activités. On a repris ici, les commerces a repris, les banques sont ouvertes. Bref, Goma a repris ses activités d'antan, malgré cette psychose qui reste encore dans la tête de beaucoup de Gomatraciens à cause de ce qui s'est passé ici il y a quelques deux semaines. Et c'est justement pour manifester leur compassion à l'endroit de Gomatracien que le chef de l'État et son épouse arrivent ici pour exprimer leur proximité affective et effective à l'endroit de ces populations. Et le président de la République, ainsi qu'il l'avait dit, vient pour superviser les dernières opérations de retourner qui sont ici, toutes les personnes qui avaient fui la coulée des laves vers Rutshuru, d'autres encore vers Bukavu, le Rwanda ou encore dans les Masisi, sont rentrés, mais beaucoup n'ont pas retrouvé leur maison, ils sont sans logis. L'aide humanitaire s'est mobilisée comme une réponse à l'appel lancé par le président de la République. En tout cas, l'aide afflue ici, dans la ville de Goma. Mais les problèmes qui restent, c'est maintenant de pouvoir trouver des logements. Et à ce niveau-là également, des moyens importants ont été mobilisés. On a parlé de milliers de tonnes pour les quelques 2000 familles qui sont
à reloger ici, bref, des statistiques qui nous ont été dressées. Lorsque nous avons effectué une visite ce matin dans les quartiers de Kibati, au pied justement du mont Nyiragongo, du volcan Nyiragongo, voulais-je dire. Et voilà, dans ces contextes que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va fouler les sols de Goma pour concrétiser justement le retour à la vie, le retour à la normale de cette ville, de cette belle ville, symbole de la reconstruction du pays, cette ville qui avait été décimée à 80% en 2002, mais qui s'est reconstruite, même si le volcan, la dernière éruption volcanique du 22 mai, a eu à emporter quelques maisons d'habitation, mais c'est juste dans la périphérie est de la ville, justement au pied de Miragongo, dans le quartier de Kibati. Joseph Kouzema, comme il avait promis de venir rester avec les habitants de la ville de Goma, les habitants du Nord Kivu. Le président de la République, il ne vient pas pour un jour, pour deux jours, mais il vient pour quelques jours, il va rester avec la population de Goma, vivre le problème de Goma. Effectivement, c'est une promesse qui avait été faite à la population, c'est une promesse qui s'est matérialise, qui se concrétise aujourd'hui. Le président de la République prend ses quartiers ici dans la ville de Goma, l'entrée de la province du Nord Kivu, l'entrée aussi du Grand Kivu. Et d'ici, il va mener plusieurs opérations. Nous n'allons pas tout dévoiler ici, mais toujours est-il que le président de la République vient ici, dans la province du Nord Kivu, qui comprend la ville de Goma, mais son programme prévoit effectivement une itinérance dans des endroits qui seront communiqués par les services attitrés. Mais ce qui est vrai, ok, le président vient matérialiser sa promesse de venir rester à côté des habitants de Goma pour quelques jours et essayer de trouver des réponses à leurs problèmes. Les premières réponses avaient déjà été données face à la situation de sécurité qui prévaut, de la situation d'insécurité qui prévaut ici. Des décisions fortes avaient été prises, la décision de instaurant l'état de siège qui donne déjà ses premiers fruits. Beaucoup de poches ont été détruites, les forces négatives ont vu leurs forces fortement diminuer. Et les FARDC continuent leurs opérations malgré cette calamité naturelle. Les efforts n'ont pas été annihilés. C'était la première réponse. Et la deuxième réponse, maintenant, elle est essentiellement humanitaire. En tout cas, du côté de vivre et non vivre, les problèmes ne se posent vraiment pas. Pour l'instant, les opérations sont concentrées dans la distribution des vivres. Et les spectres aussi des maladies qui accompagnent généralement ce genre de déplacements massifs de personnes sont écartés, parce qu'on a vu ce matin qu'il y a un quartier général, il y a des hôpitaux ambulants qui sont en train d'être montés maintenant, et nous aurons justement la primeur de ces images ici sur les antennes de la RTNC au courant des jours qui viennent, au courant de la semaine. Vous allez voir une série de reportages sur la vie qui reprend à Goma, sur tout ce qui est en train d'être fait par le président de la République, par le gouvernement et par les humanitaires et tous les hommes de bonne volonté, je sais. Alors, vous venez de vous joindre à nous, je vous dis, nous sommes en direct depuis la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, où dans quelques heures, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, vont devoir fouler le sol de la fête ville de Goma. Ils viennent matérialiser la promesse qu'ils ont faite à la population de Goma. Le président l'avait dit, de l'ouverture de l'aéroport, il était impatient de l'ouverture de l'aéroport. Il sera parmi les premières personnes à fouler ses pieds ici avec sa tendre épouse pour justement venir consoler la population de Goma, cette population qui a connu des soucis avec l'éruption volcanique de Nyiragongo le 22 mai dernier. La montagne que les gens voient derrière, sur les images derrière, c'est justement le Nyiragongo qui a fait couler sa lave le 22 mai dernier.
Effectivement, Jessie Kabasele, pour ceux qui sont branchés en ce moment sur les écrans de la RTNC, ce que l'on voit au fond, c'est effectivement le volcan de Nyiragongo dans toute sa splendeur. Maintenant que le soleil s'est couché ici et qu'il fait exactement 18h25, minutes, on sait voir toute la splendeur du volcan de Nyiragongo. Population et volcan ont décidé de cohabiter maintenant dans la paix et sans que l'un ne menace l'autre. Il est là, ce volcan, dont on dit être le plus dangereux en Afrique. Il est toujours, lorsque vous le remarquez bien au fond sur la cratère, on voit quelques fumées qui s'échappent. Mais ça, c'est une image qu'on a l'habitude de voir ici tous les jours. Et surtout à pareil moment, on le voit. On voit que la crête touche pratiquement les ciels, ça ce n'est qu'une vue. On a l'impression qu'effectivement la montagne touche les ciels. Non, c'est vrai qu'il est élevé, il surplombe la ville sur quelques 3500 mètres d'altitude à partir d'ici, de l'aéroport de Goma. C'est ce volcan-là qui est en activité. Et qui est tout de même aussi atypique, hein? Atypique par sa manière de s'exprimer. Généralement, lorsqu'on était enfant, on nous apprenait que le volcan crachait du feu à partir du cratère, hein? C'est-à-dire qu'on voit du feu qui sort du cratère, mais ce n'est pas le cas avec le volcan Nyiragongo. Et renseignements pris, il n'a jamais fait couler de lave à partir de son cratère qui est au-dessus. C'est un volcan atypique, c'est comme des racines, hein? C'est pas à partir des racines qu'il y a de fissures, le sol s'ouvre et puis l'on voit une coulée de lave. C'est comme ça que le volcan de Nyiragongo opère, mais il reste l'un des volcans le mieux surveillé. Hein, on connaît toutes ces activités sismiques sont suivies de près par les vulcanologues qui sont basés ici à Goma, comme à l'extérieur, comme à l'étranger, voulais-je dire, notamment en Belgique. Donc c'est ces volcans qui cohabitent avec cette ville, qui surveille la ville, on peut dire. Hein, les volcans surveillent la ville et il peut cracher son feu quand il le veut, mais il ne crache pas son feu à partir de son cratère. Il a une manière atypique de s'activer. Il reste comme il est là, même pendant qu'il y avait la coulée des laves. Cette montagne est restée calme, comme on le voit, mais la coulée des laves sortait à partir du bas de ces montagnes et pour décimer la ville ou détruire. Donc nous sommes bel et bien ici à l'aéroport international de Goma. Il est 18h30 exactement ici. Il est 17h30 à Kinshasa. Le soleil s'est couché, il fait noir et des dispositions sécuritaires ont été prises, hein, pour gérer les mouvements des foules, parce que ce que le téléspectateur ne voit pas en ce moment, c'est qu'il y a une foule nombreuse qui est au-delà de l'aérogare, dans la zone aéroportuaire, qui attend depuis les premières heures de la journée pour accueillir le couple présidentiel qui est attendu ici, mais aussi la population qui est amassée le long de cette artère principale qui relie l'aéroport à la résidence présidentielle. La population est là, la journée a été normal en tout cas jusqu'en début de soirée lorsqu'on a confirmé l'arrivée surtout que il faudrait dire, Giscard, que c'est lui-même qui a confirmé sa venue. Les gens étaient un peu hésitants, ils se demandaient est-ce qu'il viendra. C'est lui-même, lors de sa prise de parole tout à l'heure, qui a confirmé que ce soir il sera à Goma. Oui, le point de presse qu'il a animé à partir de la cité de l'Union africaine lorsque le président de la République a lui-même confirmé son arrivée ici, c'est alors que les commerces ont commencé à fermer, les gens se sont mobilisés de manière spontanée. Ils le sont jusque maintenant. Les artères sont bondées de monde et tous attendent, comme ces autorités que l'on voit ici, sont en train d'attendre le président de la République dont l'arrivée est signalée ici dans moins d'une demi-heure. Donc ce que l'on ne voit pas, c'est cette population qui est mobilisée sur la zone de l'aérogare. Nous aurons peut-être que la nuit pourra nous causer quelques ennuis,
pour permettre à nos équipes de mieux se déployer et montrer ces images que les téléspectateurs ne voient pas, cette foule massée ici pour ovationner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on vous rappelle que nous sommes à l'aéroport international de Goma où nous attendons justement l'arrivée du couple présidentiel. Le comité restreint d'accueil est déjà en place et pour dire que ce n'est plus que question de minutes, l'avion présidentiel va devoir atterrir ici sur le tarmac de l'aéroport de Goma. Laurent Nyangé, vous avez vécu... On espère que c'est celui-là qui transporte le président de la République. Mais on le saura. On le saura tout à l'heure. Mais bon. On le saura dans les minutes qui suivent. Hein, il y a un aéronef. Non, je crois qu'il s'agit d'un vol commercial. Il s'agit d'un vol commercial parce que l'aéroport de Goma, c'est l'un des aéroports le plus fréquenté de la République. Je pense qu'en termes de fréquence, il vient après l'aéroport international de Njili, mais il y a des jours où il y a beaucoup de mouvements ici à Goma plus qu'à Njili. Je crois que ça c'est un régulier d'une compagnie nationale qui est là. Ça prouve justement que la ville de Goma a repris le mouvement. Ça c'est un avion commercial de la compagnie CAA qui vient justement d'atterrir avec des passagers. C'est un avion qui vient de Kinshasa. Donc la vie a bel et bien repris ici à Goma. Le bruit vous entendez dehors, c'est la population qui tient à ovationner le projet de la République. Qu'ils vont reprendre suivant les programme qui avait été donné par le gouverneur militaire. C'est au courant de cette semaine que les écoles vont rouvrir, mais les commerces, eux, n'ont pas attendu. On a vu les commerces, les banques, tout ce qu'il y a, parce qu'il y a une intense activité commerciale ici. À tous les marchés, nous avons fait le tour de la ville. Hein, le marché de Birere a retrouvé son ambiance d'antan et il y a des produits qui sont là. Parce qu'en fait, au moment de la perturbation, il y a des produits qui sont restés dans le Masisi, qui viennent des Rutshuru, de Masisi, qui viennent de loin, qui sont là. En tout cas, la vie a repris, nous avons fait le tour. Les embouteillages de la ville de Goma sont également au rendez-vous. Les écoles vont reprendre au courant de cette semaine. Bref, en tout cas, Goma a repris son ambiance d'antan. Mais les séquelles sont encore dans beaucoup d'esprits, hein, les spectres de cette série de tremblements de terre et de la colère du volcan hantent encore quelques esprits, mais pour le reste en tout cas, Goma a repris sa vie normale. Voilà, et justement pour vous confirmer que Goma a repris sa vie normale, la télévision nationale, la radio-télévision nationale congolaise, votre télévision a fait également le déplacement de la ville de Goma. Donc pendant toute cette période, vous aurez des émissions qui partiront en direct depuis la ville de Goma. Nous allons vous faire vivre justement tout ce qui se passe ici dans la ville de Goma. Déjà le journal télévisé, celui de 20h ce soir, sera et à Kinshasa et à Goma. Donc vous aurez un journal télévisé présenté simultanément à Kinshasa et à Goma. Laurent Nyangé, vous avez vécu justement la colère des Nira Gongo. Racontez-nous, comment ça s'est passé? Tout à fait, Jesse Kabasele, ça n'a pas été facile, hein, puisque c'est parti un 22 mai, c'était autour de 18h juste, que la population de Goma a été alertée par un certain incendie qui se faisait voir à distance depuis la ville, mais en direction du volcan. Et c'est ainsi que cette population effrayée n'a pas su comment se comporter et elle était dans une panique totale suite à cette éruption du volcan survenue promptement. Et inattendue qui a perturbé totalement la population, mais grâce à la bravoure du gouverneur militaire, vous le savez bien que nous sommes en état de siège, et le gouverneur militaire a pu
quand même maîtriser la population. C'est quelque chose à saluer, le fait qu'il a été là pour consoler avec toute l'équipe musclée de l'Observatoire volcanologique de Goma pour surveiller le volcan. C'est ainsi qu'au cours de la nuit, même le gouvernement militaire est allé dans nos antennes, les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, pour annoncer officiellement l'éruption du volcan Nyiragongo. Justement, Laurent Nyango, là, nous assistons à l'atterrissage d'un régulier de CAA qui vient de Kinshasa. C'est pour justement prouver que Goma a bel et bien repris la vie ici à Goma a bel et bien repris. Là, ce sont les passagers, un vol commercial qui vient d'atterrir ici à l'aéroport de Goma. Ah oui, ça montre combien la ville a repris, même comme le disait Giscard Koussema. Là, on dit d'ailleurs que le président de la République hein, est dans cet avion. Il a pris donc un vol régulier alors qu'on l'attendait. C'est une surprise. C'est une surprise. Le président de la République a choisi de prendre un vol régulier. Un vol régulier pour faire son déplacement ici. C'est donc à bord de ce Airbus A330 de la compagnie africaine d'aviation CAA que le président de la République, son épouse, la distinguée première dame ainsi que ses collaborateurs ont pris place pour ici et l'avion vient de se poser donc ici à l'aéroport international de Goma. Il est exactement 35 minutes. Le président de la République vient d'arriver ici. L'avion qui le transporte, on le voit, c'est un régulier de la CAA vient d'arriver ici. Le chef de l'État est donc vraisemblablement à l'intérieur de cet avion. D'ici quelques instants, il va faire sa descente de l'avion. Il sera salué par les autorités, tant civiles que militaires. Hein. Les autorités militaires, c'est d'abord le gouverneur des provinces, le gouverneur militaire qui est ici, avec le gouverneur policier adjoint. Et on a vu des membres de services de sécurité, le cabinet du président de la République valablement représenté ici. On a aperçu le directeur de cabinet adjoint Olivier Mondongue. On a vu les conseillers spéciaux chargés de la couverture maladie Docteur Roger Kamba, on a vu beaucoup de conseillers principaux, de collaborateurs. Je sais que ça, il faut le dire, hein, c'est une belle surprise alors qu'on attendait l'avion africain du président de la République. On attendait là, c'est un vol régulier, c'est un Airbus A330 de la compagnie CAA. Et c'est ce que le chef de l'État. On a vu comme tous les autres passagers. Comme tous les autres passagers, on va le voir. Le chef de l'État a pris place à bord de cet avion. Il l'avait déjà fait, on se rappellera, lorsqu'il a débuté sa campagne présidentielle ici. Et c'est effectivement par un régulier qu'il était venu ici. C'est symbolique, hein? C'était par un vol régulier qu'il était venu ici et il était ovationné, comme aujourd'hui, par une population en liesse. Et c'est ce qu'il a choisi de faire aujourd'hui. Le chef d'État est donc arrivé ici à Goma par un régulier, l'Airbus A330 de la compagnie africaine d'aviation CAA. Madame la chef, si vous prenez en cours, nous sommes ici à l'aéroport international de Goma, dans la province du Nord Kivu, où ces réguliers de la compagnie africaine d'aviation abordent le couple présidentiel Denis Nyakeru Tshisekedi, accompagné de son tendre époux Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont pris place à bord en leur compagnie, une forte délégation. Il vient justement ici pour passer du temps, pour compatir, pour consoler la population de cette ville de Goma qui a connu le problème avec l'éruption volcanique le 22 mai dernier. Michel Moutabécha, l'avion vient d'atterrir, un vol régulier de CAA et à bord de couple présidentiel. Ni kwamba rais wa taifa tayari amekwisha kuwasili hapa kwenye uwanja wa ndege wa hapa mjini Goma, na amewasili ilikuwa tu saa 12 na dakika 35, na amekuja ndani ya ndege ya kampuni ya kibiashara CAA
ni kwamba watu wote wameshangaa kuona amechukua ndege kampuni ya kibiashara kukuja na ndege ya kipekee. Na bwana Jessica Basile tafahamu ya kwamba rais wa taifa kisha tu mlipuko wa volkano Nyiragongo kuweza kulipuka hapa mjini Goma aliweza kutuma na ujumbe mkubwa sana mawaziri siku mbili tu baadaye kuja kutoa pole kwa waraia ambao waliweza kupata na magumu ya mlipuko wa volkano. Na yeye ndani ya mkutano na waandishi wa habari akatoa ahadi akasema kwamba uwanja wa ndege wa Goma kisha tu kufunguliwa, mimi kibinafsi nitafika hapa mjini Goma ili nizungumze na wakazi ili niwape pole. Na hiyo ameweza basi kutimiza hiyo ahadi ambayo aliweza kutoa kwenye wakazi, na amewasili hapa mjini Goma na watu ni wengi hapa, na punde tu hivi karibuni ataweza kupokelewa na liwali wa jimbo akiwa ni mwanajeshi na makamu wake, wanamemba mbalimbali wa kamati ya usalama jimboni mwa Kivu ya Kaskazini tayari wako hapa kwenye uwanja wa ndege kumpokea rais, na kuna wajumbe wengi ambao ni mawaziri nchini, wanamemba mbalimbali wa ofisi yake ya kazi kama vile makamu Olivier Mondonge ambaye anakuwa makamu katika ofisi yake, na wengine viongozi mbalimbali wako hapa tayari kwenye uwanja wa ndege kwa kupokea mapokezi mazuri kwake rais wa taifa. Na ni kwamba kuwasili kwa rais wa taifa ni jambo ambayo imekuja kuweka tena matumaini kwa wengi wakaaji ambao walikuwa wamepoteza na matumaini, na wengi wamefurahi kuona baba wa taifa amekuja kuungana na wao, kuzungumza na wao na kusikiliza ni mahitaji gani ya wakazi hapa mjini Goma. Bwana Jessica Basile. Laurent Nyange, il y a quelques jours, c'était une promesse. Aujourd'hui, la promesse s'est bel et bien matérialisée. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, en compagnie de la distinguée première dame, dans ce n'est plus que question de minutes, ils vont devoir marcher ici à Goma. Ah oui, c'est vrai, comme on le dit souvent, papa Yenza Lesili, monsieur le chef de l'État est déjà ici à Goma. Dans quelques peu de temps, il va fouler le sol de Goma et, comme vous l'avez dit, accompagné de la distinguée première dame. Mesdames et messieurs, c'est un geste à saluer et qui fait du bien à toute la ville de Goma, à tous les habitants du Nord Kivu, et qui se sentent vraiment aimés par le chef de l'État qui fait le déplacement après cette éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021, mais également cette période d'état de siège, cette situation qui un tout petit peu inhabituelle, qui a perturbé la population de Goma. Et depuis un certain temps, comme vous l'avez évoqué, la vie semble reprendre déjà après tant de stress. La population a vécu des stress, surtout avec le tremblement de terre qui se passait presque chaque 15 ou 20 minutes comme ça. La population était obligée de sentir, de ressentir ce tremblement de terre. Et il y avait un certain désespoir qui s'installait déjà dans la population de Goma. Mais heureusement que la vie semble déjà reprendre, Jessie, et vous l'avez vécu, les activités ont repris. Et nous devons aussi, comme l'a souligné Michel... Il faut dire, Laurent, là, le port vient de s'ouvrir. Les premières personnes descendent justement de l'avion. État de siège oblige. Tout le monde est tenu quand même assez loin, à l'écart de l'avion. On va voir, je crois, dans quelques minutes, le président de la République va quitter l'avion, va devoir saluer le comité restreint. Mais il faudrait dire, il y a un comité restreint ici sur le tarmac, mais en dehors de l'aéroport, c'est la population qui a pratiquement violé l'état de siège pour attendre Félix Antoine Tshisekedi. La population est impatiente de voir son président. Oui, voilà. Voilà, il est là, c'est là, voilà, le président de la République qui descend de l'avion, accompagné de la distinguée première dame. Donc voilà, enfin, la promesse matérialisée. Oui, la promesse matérialisée à Goma, mesdames, messieurs, le président de la République démocratique du Congo vient de fouler le sol de Goma après l'éruption du volcan Nyiragongo. C'était une promesse et aujourd'hui, plus qu'une réalité,
il est là, dans le mur, bien présent ici et accompagné. Et c'est-à-dire que la population de Goma va passer un... Voilà, il est là, la distinguée première dame de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, justement, comme il avait promis, il vient établir son quijé ici à Goma, question justement de résoudre différents problèmes de la population de cette ville de Goma, cette population qui a connu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ici, c'est l'état de siège. La ville est dirigée par des autorités militaires, le Constant Dinga, ainsi que son adjoint, c'est un policier. Et aujourd'hui, le président de la République est venu justement pour se rendre compte, pour s'enquérir des problèmes de Gomatraciens. Et comme il avait dit, il établira son quartier général ici à Goma. Le Michel Moutadécha, ces choses faites, on vient de voir le président de la République en compagnie de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Donc désormais, Goma devient pendant quelques jours la capitale de la République démocratique du Congo. Rais wa taifa Felix Antoine Tshisekedi tayari amekwisha kuwasili hapa mjini Goma, amekuja kusindikiza na mke wake mama Denise Nyakeru na uwanja wa ndege hapa mjini Goma. Watu ni wengi hapa na nje ya uwanja wa ndege kwenye mabarabara, wakazi wamekuwa wengi wakishangilia, wakimngojelea kumpokea kwa hamu. Na ni kwamba rais amekuja tu kutoa zaidi sana pole kwa wengi wakati hapa mjini Goma, kutokana tu na magumu ya mlipuko wa volkano Nyiragongo. Na mtaa wa Nyiragongo uliweza kupata magumu hayo mji wa Goma, na kama vile kawaida hali kiutume tayari kazi zimeanza na watu ni wenye furaha. Walikuwa tu wanamngojea baba wa taifa kuwasili, bwana JC. Voilà, là nous voyons le président de la République qui va en compagnie de la distinguée première dame, qui va saluer le comité restreint d'accueil ici, rangé ici à l'aéroport international de Goma pour l'accueillir. C'est pour vous dire que c'est la réponse à toutes ces questions de cette population, la population de la ville de Goma. Parmi les réponses, il y a eu l'état de siège, cet état de siège salué par la population ici à Goma, mais également les réponses qu'a donné le président de la République. C'est cette visite qui va justement marquer l'établissement de son quijé ici à Goma. Donc je vous le disais tout à l'heure, le président de la République ne vient pas pour un jour, il ne vient pas pour deux jours, mais il vient pour plusieurs jours. Il a bien dit, il vient pour rester avec la population de Goma, question de trouver des solutions aux différents problèmes qui rongent cette province, la province du Nord Kivu, et particulièrement la ville de Goma. Je vous rappelle, cette ville qui a comme si il va aller saluer la population. On ne sait pas, on regarde finalement, on regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, voilà, il décide ici. Il va aller saluer la population, comme monsieur. Il a pris un vol régulier. Là, il se dirige vers la population. La population qui a violé l'état de siège et qui est dehors depuis le matin. Cette population attendait Félix Antoine Tshisekedi et Denise Nyakeru. Voilà le président qui marche pour aller saluer cette population. Depuis le matin, elle attendait Félix Tshisekedi. Et voilà Félix qui est là. Oui, il vient d'atterrir à Goma et on sait déjà la résistance populaire de notre côté de l'aéroport international de Goma. Michel Moutadécha. Ni kwamba rais amekuja, amekusa kuwasili hapa mjini Goma, na kwa sasa amekuwa akiwasalimia wengi wakazi hapa mjini Goma, na kwa sasa amekuwa akijielekeza
Hayo ni magari ambayo yamekuwa yakiendelea kufuata nyuma, ila rais wengi wakaaji ni tangu asubuhi bwana Loha, ndipo wakaaji waliwasili hapa kwenye uwanja wa ndege ili kutoa mapokezi mazuri kwa baba wa taifa ambaye amesindikizwa na mama Denise Nyakeru Sekedi. Na huko nje ni furaha sana, vigelegele vimekuwa vingi kwa kuweza kumpokea rais wa taifa. Voilà, nous serons obligés justement d'arrêter cette retransmission en direct depuis la ville de Goma, depuis l'aéroport international de Goma. Là, vous voyez la population qui attendait Félix Tshisekedi et dehors. Et Félix, le président de la République, a décidé justement de marcher à pied. Il est exactement 18h48 ici à Goma. Donc voilà, nous serons obligés justement de vous dire au revoir. Merci d'avoir été de l'autre. Au nom de toute l'équipe technique qui vous a permis de suivre cette transmission en direct, on se retrouve dans quelques instants, ça sera 20h à 20h où une édition spéciale partira depuis la ville de Goma où nous avons établi notre QG, c'est à partir de l'hôtel Serena. Donc,